Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil 5, donc toujours en compagnie de Sam. Salut à tous. Donc pour la deuxième partie du chapitre 6, toujours à bord du bateau où il y a Excella et Wesker. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour dans l'inventaire pour voir si on peut améliorer des choses. Alors, c'est parti. Alors déjà, je vais vendre d'abord tout ce qui est trésor comme ça. C'est bon, voilà. Donc, le pistolet, j'aimerais bien pouvoir l'augmenter à fond cette fois. Ah, ça y est, je vais arriver aux 100 balles. Ça y est, c'est bon. Parfait. T'as même plus besoin de munitions à ce stade-là. C'est vrai que ouais, plutôt, ouais. Comme moi avec le sniper, hein, j'ai 50 balles de chargeur. Alors, le magnum, je le retire. Là, du coup, je vais retirer le gilet pare-balles pour ce niveau-là. Je sais pas si tu c'est fais vrai. La même, parce que techniquement que on en a pas besoin, utile, je pense. Ouais. On en aura pas besoin, c'est vrai. Voilà. L'herbe verte, je vais te la donner. Si t'as d'autres soins, je pense que on dira pas non. C'est la misère. C'est la misère. Oui. Ah. Tous les soins qu'on a, ils sont dans mon inventaire. C'est la crise. Donc ça c'est bon. Je peux peut-être améliorer le fusil à pompe, ça. Ah, attends. Je vais quand même voir si je peux du coup acheter. Ah voilà, donc c'est ça que je vous disais, quand on monte le M92 FS à fond, on débloque une nouvelle arme qu'on peut acheter. Donc c'est le fameux M93R que vous connaissez sûrement dans Code Veronica qui permet de tirer 3 balles par 3 balles. Et je vais l'acheter du coup parce que c'est une arme que j'adore, qui est très très puissante en plus. Donc c'est pour ça que je garde un petit peu de thunes pour pouvoir l'améliorer. Et donc du coup je vais le remplacer avec le flingue que j'ai là, même s'il a 100 balles. Hop, attends, c'est retiré, voilà. Ça, on le met là. Et du coup, je vais un petit peu améliorer dans tout ça. Non, je veux pas le vendre. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, ce serait quand même con. Donc, vous voyez, appuyez une fois sur la gâchette pour tirer 3 cartouches. Donc, autant dire que c'est plutôt cool. Enfin, y a plein d'ennemis, des fois, ça les one-shot à coup sûr, donc c'est pas mal. Enfin, ça les one-shot avec la triple rafale, quoi. Allez, on améliore tout ça jusqu'au max qu'on puisse. Apparemment, il n'y a pas de limite, j'ai l'impression. Je vais pouvoir tout optimiser direct. Bon, j'aurais peut-être plus de thunes avant, mais bon. Voilà, donc déjà 400, c'est pas mal. D'ailleurs, l'autre, il a combien? Je vais regarder par curiosité. 250 optimisés à fond. Donc déjà, là, on est plutôt pas mal. Et les munitions, je vais augmenter parce que 10 balles en tirant 3 par 3, ça va pas aller loin, ça. 26, 30, et on est au max, d'accord. C'est déjà plus potable. Ouais, bah carrément. Et la vitesse de rechargement à fond, voilà, comme ça on est bon. Et il me reste 20 000. Donc je vais essayer d'améliorer un petit peu le pompe, donc la puissance, allez hop. Voilà. Et apparemment, je crois que je suis au maximum. Donc si je suis au maximum, techniquement, ça a aussi débloqué un fusil à pompe, non? Ah, ça n'est pas nouveau, apparemment. Donc c'est peut-être pas ce fusil à pompe là, ça doit être celui de base, alors. Le marron que j'ai là d'ailleurs, le Itaka M37, je crois que quand on l'augmente à fond, on a le Hydra, non, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, mais c'est le premier, ouais, qu'il faut. Hein. Donc voilà, donc le Hydra, en fait, il ressemble un peu au Itaka, sauf qu'il a 3 canons et c'est un canon scié. Donc en fait, j'y ressemble. Il y a le côté un petit peu boisé, quoi, mais après, ça reste un fusil classique, c'est même pas un fusil à pompe, quoi. Il y a juste 3 canons, donc on peut tirer 3 coups et après, faut recharger. Même si je crois qu'avec les améliorations, on peut tirer plus que 3 coups. Non? Ah, peut-être. Mais bon, après, c'est un défaut de réalisme, hein, mais bon, c'est comme le chargeur qui a 100 balles alors que c'est un pistolet, quoi. Oui, oui, ça m'a l'air. On est plus à ça près. Alors, tu peux remarquer que de mon côté, je commence un peu à m'armer, hein. J'ai acheté des grenades auprès du magasin. Mm. Et très franchement, je compte les utiliser. D'accord, bah écoute, c'est quoi ça? C'est des explosifs ou acides? Des explosifs, d'accord. Tout à fait. Ok. T'es plutôt bien équipé pour le coup. Moi, je pense que je vais prendre un petit spray si j'ai encore assez de thunes. J'ai quand même un doute, mais. Oui, là, j'ai 8000. Je crois que c'est 10 000, non? Bah, attends. Ah non, c'est 1000. Ça coûte juste 1000. Ça vaut rien, en fait. J'en ai encore 51 000, au pire. Ne gâche pas ton argent. Bon, j'en ai juste acheté un, ça va, quoi. 1000, bah, écoute, je vais en acheter 3 de mon côté. Bon, allez, 4, c'est Noël. Hop. Vas-y. Tac, ça, je le mets là. Hop, bah oui,
Oui, c'est plutôt bon. Tu prends pas un magnum vite fait avec toi quand même, au cas où? Bon, allez, je préfère. Je pense qu'il y a quand même pas mal de munitions de côté avec le pont. Et on aura une arme sur place, donc je vais tenter quand même ça. Ouais. Si vraiment on se fait victime, bah je changerai d'avis, mais je pense qu'il y a moyen quand même. Donc si t'es bon, et bah moi aussi je suis bon. Et bah on va y aller, on va pas faire patienter plus que ça. Allez, c'est parti. Et donc voilà, donc on est toujours à bord du bateau, comme je disais, petit ascenseur tricelle. Et on va y aller, il n'y a pas de caisse à péter ici, rien. Alors une espèce de montagne de cadavres en face de nous. Plutôt inquiétant. C'est peut-être tous ceux qu'on a butés, hein, qui sait. Ça m'étonnerait pas. What the hell happened here? Excella, what's going on? Why? When I've done so much. All for you. Chris, how nice of you to join us. Wesker. Don't worry. Your mission is at its end. Ouroboros is on the eve of its appearance. 6 billion cries of agony will burn a new balance. Sorry, Wesker, but not on my watch. Albert, you said we'd change this world together. Oh, why? I thought they were puttons. Wesker doesn't give a damn about anybody but himself. Soon, even you will understand, Chris. One glimpse of my new world, and it will all make perfect sense. Show yourself! Unfortunately, it's too late for you. You will not live to see the dawn. Sorry, Excella, but it appears Ouroboros has rejected you. Though you have been an excellent asset, I have one last task for you. Albert! What the hell? Farewell, old friend. Du premier coup. Tant mieux, parce que franchement, putain, en plus il y a plein de QTE à ce passage, donc tant mieux qu'on l'ait passé du premier coup. Alors, du coup, là on va débarquer à l'intérieur. Alors il y a plein de dégueulis partout. So now what? Do you think our weapons can hurt that thing? I don't know. We gotta get the hell out of here before it destroys this place. Alors j'aime bien encore la petite censure dans les sous-titres qui disent « dur à cuire » alors que on entend bien « son of a bitch », mais bon, il n'y a pas de souci. C'est pas tout à fait la même chose. C'est comme, ça m'a surpris dans la cinématique, il me semble que c'est Sheva qui le dit, elle dit « what the hell », quoi tu veux, mais ouais. Le sous-titre c'est « que diable ». Enfin, mon dieu quoi. Ils ne savent pas faire de... Oula. Ah! Donc là, faut se méfier parce que du coup, le Excella s'amuse un petit peu à nous donner les coups de tentacule dans la gueule.
le long du couloir. Donc faut faire attention. Il a failli me retoucher. Alors, il y a des petits casiers. Hop, voilà. On a pu voir en même temps dans la cinématique hein, que c'est là, espérer peut-être un peu trop de Wesker. Hein. Wesker lui s'en bat les couilles de tout le monde, donc forcément, il l'a utilisé comme il a pu utiliser les Stars à l'époque dans le Manor Spencer. Et donc, elle rejoint le bestiaire. Elle a l'air colossale, comme on peut le voir là à travers la vitre. Il y a des tentacules de partout. Ça a l'air d'être assez immense. En fait, si elle est aussi immense, c'est surtout grâce au fait qu'elle a absorbé beaucoup de cadavres, en fait. Parce que sinon, en elle-même, elle serait beaucoup moins imposante. Bah, d'ailleurs, on a pu en voir hein, au début de l'aventure. Ils étaient beaucoup moins grands parce qu'il y avait quoi? Il y avait 3-4 mecs d'utiliser pour créer la créature. Ah, des munitions de fusil. Premièrement, je suis plein et deuxièmement, j'en ai pas besoin. J'en ai pas vraiment bah, ouais. besoin. Non. On va pas s'encombrer avec ça, surtout que dans mon inventaire pour éventuellement la plus fin du jeu, j'ai envie de dire, j'en ai encore. Ça suffira, je pense, niveau munitions. Alors ça par contre je dis pas non parce que vu qu'il y a que 30 balles dans le bordel et que j'en ai pas d'avance. C'est vrai que du coup puisque t'as changé de pistolet entre temps t'en as pas forcément repris des balles. Ouais. T'as encore des cartouches. Ah, je suis déjà plein. La mine de proxy, je sais même pas à quoi va nous servir. À rien. Pourquoi ils nous en mettent une rien. Je vais la poser random là dans le couloir. C'est histoire de rappeler aux joueurs qu'elle existe peut-être, je sais pas. J'avoue. Oula, merde, j'ai plus le temps de lancer le bordel. Tac, allez, pose ça ah bah au sol. On va peut-être se soigner du coup, hein. Moi j'ai dit ça, je dis rien. C'est vrai, c'est vrai. Alors. On peut risquer le mode mourant. Hein. Non. Bon, du coup, j'ai pas mis un full soin. Hein. Ouais, c'est un V+V, j'ai eu. Donc voilà, ici de toute façon on a tout fouillé, c'est bon. Alors il n'y a pas de document apparemment, il semblait que de mémoire il y en avait. Pas de commentaires non plus d'ailleurs. Nos héros ont décidé d'être peu bavards à cet épisode. Donc on va continuer du coup. La fameuse mine. Oh putain, encore une fois je me fais baiser. Au même endroit. J'avoue. Je m'attendais pas à la revoir direct. Alors ce qui est marrant c'est que du coup Chris il a plein de tentacules sur lui. Et... petit détail. Assez sympa. Bon, en fait, tant que tu as ces tentacules sur toi, tu subis un peu de dégâts, surtout. Donc elles sont là pour quelque chose. Qui est un petit peu moins sympathique, pour l'occasion. Ah, c'est pour ça que t'étais en rouge à la fin, hein. C'est pas forcément le coup qui t'avait mis en rouge, mais... Alors ici, il y a plein de cadavres, mais bizarrement... voilà. Ils font semblant de mourir. D'ailleurs... Aïe. Ils font grandement exprès... Hop. Oula. Voilà. Oula. Attention. Ah merde, j'avais pas vu. Oula. L'animation t'a sauvé. Attention à ton lance-grenade, parce que là... C'était pas ah, long. C'est la, après, c'est la joie d'avoir des balles. Il doit pas aimer ma gueule, je crois. Il est costaud celui-là. J'admets que là, aïe. Il en veut à la terre entière. Meurt un jour. Il me semble qu'il est scripté celui-là donc. Meurt toujours. Je sais pas. Ah si. D'ailleurs en plus je le savais, pourquoi je n'ai pas pris de grenade flash, je sais pas. Le mini-boss quoi. Bon du coup j'ai plus de balles de feu, ouais, on va switcher avec le pont. Ah bah voilà, c'était la cartouche de trop pour lui. Enfin quoique il est pas en train d'agoniser. Non, il était juste ouvert. Ah, c'est bon. Et du coup bon bah je lui ai mis une petite grenade, bon à bout portant, mais ça c'est un point de détail. Et du coup on récupère la carte magnétique du pont qui va nous servir ici. Par en contre, fait. On va... Alors juste avant on va quand même fouiller la zone parce que... On va attendre de voir si on trouve pas une herbe rouge. Ce côté là c'est pas bon. Ouais bah... Donc tu vas tituber hein, pour le moment. Pas grave. Chris a l'habitude. RE1, code verrou. Révélation.
t'inquiète. Il ouais, y a une autre herbe verte ici. Après, peut-être qu'il n'y a pas de rouge. Alors, on a encore des petits trésors par-ci par-là. Toujours pas de documents d'ailleurs, pas de commentaires. Bizarre ça. Ouais. Tu es plein. Donne-moi tes munitions de fusil au pire. Ouais. Bon, du coup, je la combine. Oui, oui. D'ailleurs, je sais pas si la verte plus verte fait plus d'effet que deux vertes séparées. Grande question. Alors là. J'avoue, je sais pas. À vérifier. Faudrait exactement avoir la même jauge de dégâts subis, puis voir ce que ça donne. Putain, ça m'emmerde quand même d'avoir un pistolet vide, du coup. Oh, tu vas sans doute. Alors, il reste 2-3 cadavres, mais pas envie de se lever. Non, non. Ah, on a quelques documents alors ici. Ah, ça fait du bien, il y a des trucs à examiner. Le pilote automatique est activé, les commandes ne répondent pas. Donc là, le fameux document. Rapport sur le projet W28, août 1998. Autrement dit, le projet Wesker, je crois. Si c'est W, à mon avis, c'est pas, ça doit être ça. Donc l'accident qui s'est produit au centre de recherche de Larkley à Raccoon City est bien dû à l'implication du sujet de test numéro 13 du projet W, désigné Albert ci-dessous. En raison du décès de celui-ci lors de l'accident, plus aucune donnée ne pourra être obtenue. La mort d'Albert a été confirmée par le service de renseignement. Le décès d'Albert a provoqué la chute du taux de réussite du projet W à 18%. Le nombre de personnes qualifiées pour la conduite du projet est nettement réduit. Ce problème doit être résolu dans les plus brefs délais. Si la situation reste inchangée, l'avancement du projet sera compromis. Étant donné la pénurie de personnel qualifié pour remplacer les pertes récentes, il est recommandé de réexaminer les dossiers des candidats initialement rejetés. Suite à leur désignation, les nouveaux cadres auront pour objectif de rétablir le taux de réussite de 93% atteint avant la mort d'Albert. Service des renseignements d'Umbrella, Alex W. Semblerait que ça soit Alex Wesker. Bien entendu. Puisqu'il y a W partout, donc je pense que vous l'avez compris pour le coup. Alors, lire document. Carnet de notes de Spencer. Je viens d'apprendre que Raccoon City a été rayé de la carte. Le gouvernement américain a finalement pris des mesures de représailles contre nous. Alors, je vous rappelle que s'il découvre ça comme ça, c'est parce que Spencer s'était barré, hein, puisqu'il était recherché. Il a utilisé contre ses propres citoyens les armes conçues pour les protéger des attaques extérieures. J'espère qu'il se rend compte de l'ironie de la situation. Même si la menace que faisait peser la propagation de virus T était bien réelle, je doute fort que les Américains pardonnent facilement la mort de plus de 100 000 de leurs compatriotes. Si la vérité sur cette affaire s'ébruite, le gouvernement perdra le soutien de l'opinion publique. Ce n'est pas ce qu'il souhaite. Il faut être aveugle pour ne pas voir que le gouvernement usera de tous les moyens à sa disposition pour faire tomber Umbrella. Pour dissimuler ses propres erreurs, il imputera à Umbrella la destruction de Raccoon City. Umbrella va partager le sort de Raccoon City sans doute à moindre échelle, cela dit. Umbrella n'était rien d'autre qu'un écran couvrant les recherches sur le virus Progenitor. Même sans lui, les travaux se poursuivront. Seuls les employés situés en bas de l'échelle seront vraiment touchés par ce démantèlement. Si les résultats des travaux sur le virus Progenitor sont tenus au secret, nous pourrons toujours les reprendre. C'est d'ailleurs ce qui est prévu. L'existence du centre de recherche africain reste confidentielle. C'est là que le virus Progenitor est produit. Il nous aura fallu attendre la fin des années 80 pour y parvenir. Seules quelques personnes connaissent l'existence du centre africain. Notre politique très stricte de gestion des informations a porté ses fruits. Les employés mutés depuis les installations d'Afrique vers d'autres centres ont été très peu nombreux. En outre, ils ont toujours été sous étroite surveillance. Bailey, le directeur du centre africain, n'en est pas sorti pendant près de 30 ans. Tout cela pour en arriver là. Il ne nous reste plus qu'à fermer ce centre, tout se déroulera comme prévu. Une fois le centre fermé, tous ces liens avec Umbrella disparaîtront. Il faudra ensuite que je m'occupe de tous les cadres de niveau 10
ils sont les seuls à connaître l'existence du centre africain. Les autres devront être éliminés. Ainsi, mes secrets seront gardés. Celui qui enfouit un trésor ne doit pas laisser la carte derrière lui. Un document imprimé a été glissé dans le carnet. Employé ayant accès aux informations confidentielles de l'entreprise. Niveau 10. Alors, Oswell S, décédé. Henning P, incarcéré. Masaki T, décédé. Jenny K, non localisé. Carlos M, retrouvé. Informations récupérées, éliminées. Niveau 9. Brandon P, décédé. Frank E, décédé. Isabella C, décédé. Greg A, décédé. Lee D, décédé. Michael K, décédé. Ethan W, décédé. Alors c'est intéressant, du coup, là ça me permet de rebondir sur un truc. Il y avait des théories qui feraient penser que dans Resident Evil 7, donc le personnage qu'on incarne, qui s'appelle Ethan Winters, du coup, ça pourrait être ce Ethan W qui est soi-disant décédé. Alors moi, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est vrai que ça pourrait coller, en tout cas. Bah c'est bizarre et qu'il y ait un Ethan W qui soit mentionné dans les notes d'Umbrella et que le personnage s'appelle Ethan Winters, c'est vrai. Bah ouais, c'est clair, ça met la puce à l'oreille, que c'est comme le projet W de partout, quoi. C'est un moment... voilà. Surtout que sur la liste des personnes, c'est le tout dernier de la liste. Alors, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Bah, on se rappelle que dans Perdu dans les cauchemars, il y avait la liste des enfants Wesker et que les deux derniers, c'était Alex et Albert. Donc, ouais. Sait-on jamais. Exactement, donc c'est assez curieux en tout cas. Donc on va continuer donc tranquillement vers l'arrivée du boss prochainement. Alors on aura droit à une petite cinématique qu'on a déjà vue partiellement du coup, grâce au DLC qu'on a fait donc dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Donc c'est le fameux DLC, une fuite désespérée. Et là je crois qu'il y a encore une interaction à faire avec le siège. Ah, il y a une herbe rouge, dommage. Il y a surtout dommage. Une herbe rouge, ouais. Ouais, c'est balou. Bon, je pense que les herbes vertes, on en trouvait facilement quand même. Examiner. Les commandes semblent en état de marche, mais elles ne répondent pas. Ok. C'est bon. Alors, on peut rien faire avec le siège. Et le siège ? Non, alors c'est peut-être pas celui-là. Peut-être que ce sera dans le chapitre suivant. Possible. Parce qu'on reviendra dans cette pièce rapidement. On aura l'occasion de voir, de toute façon. Ouais. Mm. Alors, on regarde s'il n'y a pas des objets. Il y a des cartouches ici. Ouais. Parfait. Comme si t'en avais pas déjà assez. Ah bah écoute, ça part vite. tiens, il y a une petite note là, on va la lire juste après. Est-ce qu'il y a des trucs en particulier ici? Ah, examiner. Ce monstre est énorme, il faut l'éliminer avant qu'il ne détruise le bateau. Tu m'étonnes parce qu'il a l'air d'être un peu vénère quand même. Et là, il y a des petites munitions de pistolet que j'accueille à bras ouverts, pour le coup. Et c'est tout, normalement. Alors là, ici, il y a un petit escalier, comme on peut voir, mais... Mais c'est de là d'où on vient. Bah oui, c'est là d'où on vient, mais il me semblait qu'en fait, on est d'ici. Je me trompe. Ah oui. Oui, je croyais qu'on venait d'ici, en fait. Oui, parce que tu sais, il y a la carte avec le... machin. Mais bon, en fait, non. Mais le lilol. Tu te perds trop facilement, dis-moi. Eh oui, j'avoue. Bon, c'est vrai qu'en allant en bas, je m'en serais rendu compte pour le coup. Mais bon. Merde, je n'arrive pas à le désactiver. Le pilotage automatique. Putain, il y tient son pilotage automatique. Bah, ça doit être important. Ouais. Bon, du coup, la fameuse cinématique, en fait, je m'attendais que ça la déclenche maintenant, mais ça sera peut-être après, pour le coup. Alors, lire document. Mode d'emploi du laser satellite Shango. Ça rappelle quelque chose, tiens, le satellite laser, Terra Grigia, tout ça, tout ça. Le laser du satellite Shango est commandé à l'aide d'un système de visée laser comparable à un lance-roquette. Il communique les coordonnées de la cible au satellite qui peut alors émettre un rayon laser ultra concentré. La précision des tirs est de l'ordre du centimètre. Procédure de fonctionnement. Diriger le système de visée laser vers la cible pour transférer les coordonnées au satellite. Une fois la cible validée, les coordonnées sont relayées. Pendant leur transmission, le cercle de la cible s'affiche en rouge dans le dispositif de visualisation. Remarque, si le capteur détecte que la cible n'est pas suivie par la lunette de visée, la transmission des coordonnées sera annulée. Bon, en gros, c'est un petit peu le système d'un Stinger quand on vise un véhicule aérien, quoi. L'apparition du message verrouillage dans le dispositif de visualisation signifie que la transmission sera terminée. Il suffit alors d'appuyer sur la détente pour activer le laser.
Un délai de recharge du canon laser doit être observé entre chaque tir. Voilà. We just might have a chance. The targeting device is on the roof. Come on, there's no time to lose. Allez, c'est parti. Donc juste avant de franchir cette porte, donc faut savoir que ce boss-là, il peut être très très rapidement défonçable à coup de lance-roquette. Bien évidemment, nous on va la jouer plus conventionnelle et donc du coup, on va utiliser ce fameux laser. Mais on va être honnête avec vous, c'est un truc qu'on n'utilise jamais en fait. On l'a peut-être fait à la première partie, toi je sais pas. Moi je pense, mais je me rappelle plus pour être honnête. Je sais qu'il y a un truc au-dessus, mais voilà. Bah très franchement en fait, la première fois que j'avais fait le jeu, bah je le connaissais déjà, je savais ce qui m'attendait parce que j'avais déjà vu un let's play, mais c'était il y a des années et des années. Et ouais. Du coup, bah forcément j'avais déjà pris de lance-roquettes avec moi dans l'inventaire. Quoi. Du coup je crois que je l'ai jamais défoncé à la loyale ce boss, pour être honnête. D'accord. Donc du coup, on va essayer de le faire et puis on verra ce que ça donne. Déjà, redécouvrir le système, on verra bien. Allez, on ouvre la fameuse porte. Et nous voilà à l'air libre. Il y a quelques petites caissons de... Ah, grenade incendiaire, si tu la veux. Ah ouais, t'as plus de place, moi je vais la prendre. Donc voilà, ensuite... Ah bah voilà, on arrive. Donc il y a un boss très grand pour le coup. Alors du coup on a une carte à utiliser, la carte magnétique utilisée, ok, voilà. Et donc ça débloque, c'est quoi ça? Le système de visée laser. Voilà. Alors en fait le truc se passe en deux étapes en gros. On a les deux petites boules sur les côtés à péter et après il y a une grosse boule qui vient. Et pendant ce temps-là, si on se fait attaquer par des petits tas de tentacules qui ont l'avantage de dropper des munitions en fait, donc ça c'est plutôt pas mal. Si on en a plus. D'ailleurs, t'as beaucoup de balles de pistolet qui viennent d'être droppées. C'est pour ça que je vais les récupérer avec grand plaisir, parce que je suis un petit peu en déjeu ce côté. En charge. Voilà. Alors aussi, on a un petit étage aussi. Ouais, qu'on aura l'occasion de voir après. Déjà, on essaie de péter une première fois. Là. Espèce de bulbe, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, il change de couleur accessoirement. Hop, voilà. Nous restons dans un jeu vidéo. On a les indications de santé. Via la vidéo. Voilà. Donc celui-là, c'est bon, il reste celui de gauche. Je sais pas si c'est un manque de respect d'utiliser un pistolet contre un boss, mais j'ai pas de pression en tout cas. Alors lui on va te péter avant qu'il nous attaque. Voilà. Allez, j'équipe le bordel. Et donc voilà son énorme bulbe, donc qui est son gros point faible. Et on va essayer de lui envoyer un coup de truc laser là pour le coup. Voilà, dans sa gueule. Et donc du coup, maintenant, faut le recharger. Alors, il se recharge tout seul, je crois. Ouais. Et je vais en profiter pour aller à l'étage et voir un petit peu ce qu'il y a en haut. Ah, il a lâché une herbe verte. Je vais peut-être redescendre pour lui. Hop là. À moi l'herbe verte. Hop là. Attends, il y a quoi à côté? Ah, du coup, il est en train de multiplier ses... Ces bulbes. Il est déjà rechargé, donc ça c'est bien. Ah, je suis tout le temps plein, c'est ouf. Hein. Je vais peut-être utiliser une petite herbe, voilà, comme ça. Je n'y connais. Aïe. Alors, à savoir que quand même, ce boss, il est relativement simple dans le fait que... quand c'est lui qui nous attaque directement et pas cette espèce de tas de mélasse qui nous envoie, bah généralement c'est via des QTE. Exactement. Alors, oui. Je me suis permis de me soigner déjà, donc... Bien sûr. Ouais. Il y a pas mal d'herbes vertes si t'arrives à en choper.
Parce que moi je suis tout le temps plein et je suis en galère en fait. C'est compliqué. Ouais. Je pense que je vais aller à l'étage, je vais lâcher l'affaire et voir ce qu'il y a à l'étage déjà. Si je peux prendre des trucs ou quoi. Ça c'est quoi? Grenade incendiaire, ok. Et de l'autre côté on a... Ah, on a une herbe rouge. Intéressant. Ouais, on n'a pas de verre, ça. Très intéressant. J'ai un mélange à faire. Là, j'en avais une, moi, dans l'inventaire, il y en a deux en bas. Donc là, j'ai fait un mélange de mon côté, mais il faudrait une nouvelle verte. Et ça sera bon. Alors, tirer dessus un peu. Parce que là, le boss, il prend la confiance et être tranquille. Allez, ça, c'est bon. À qui le tour? Alors, je commence à avoir de la place de mon côté. Eh ben, fais-toi plaisir. Enfin, si je ne ramasse pas. Surtout qu'en plus, ça, c'est vraiment une zone où tu peux drop beaucoup de munitions tranquillou. Sans pour autant en utiliser beaucoup, donc c'est pas mal. Alors, attends, je vais te rejoindre. Je vais échanger une de tes... Oula, t'as plein de petites saloperies. C'est vrai. Ouais. Je vais t'échanger une de... Encore une herbe verte, décidément. Hop. Vas-y. Tac, donné. Voilà. Et on va utiliser celle-là tout de suite. Ouais. Parfait. Merci. Alors du coup, ouais, il a libéré son but, mais j'ai pas fait gaffe. J'essaie de le tirer dessus avant qu'il le cache. Ah, j'ai pas eu le temps. Enfin, je crois, je sais pas, parce que là, je me cache pas en temps. Ouais, c'est trop tard. Alors, en fait, l'idéal, ce serait vraiment de rester... Ah. On va essayer quand même de faire quelque chose avec ce lance laser. Attends, je vais essayer de le monter avec moi. Voilà, ça va être mieux. Parce qu'en bas, c'est le gros bordel. C'est l'apocalypse, t'as des tentacules de partout. Quoi. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Oula. Garde ton calme. C'est un peu la galère en fait de viser avec le temps. Aïe. Le système de visée laser, faut vraiment tenter de le garder pour. Ouais, pour c'est le vraiment que pour la grosse boule quoi. Mais ça va, il se recharge vachement rapidement en fait, parce que tout à l'heure quand je l'ai lâché, il était déjà à la moitié. Donc... Attention. Mais ouais, ces trucs là, ça bouge vraiment trop. Oula, c'était limite. Alors on commence à se faire envahir là, aïe. Alors le pont. Dégage-moi ça toi. Le pont fonctionne bien là ou... Ouais plutôt. Hein. Ah il va falloir... Ah ça y est. Je te laisse faire. C'est parti. Tends ta gueule. Du coup là va falloir attendre. Je sais pas combien de fois faut le faire du coup avec ce... J'aurais tendance à dire 3-4 fois. D'accord. Alors, verte, verte, on va combiner ça. Je récupère les grenades, ça peut servir pour après. Oula, ah je l'ai bien pris. Moi j'ai réussi mais c'était limite. Hein. Alors par contre, tu peux aussi contrer cette QTE en tirant sur le bordel, ça te fait reculer. Parce que là, on me l'a proposé et j'ai réussi à le contrer avant. Ah. Ah, il aime vraiment pas le pont, en tout cas. Ah merde. Ah, on se fait envahir assez rapidement, c'est inutile. Ouais. Ah, grenade à main, là, ça fait plaisir quand même, ça va bien servir pour après. Alors, je vais prendre le truc laser. En train de tirer relance grenade. Ah. Ah, ça suffit. Et voilà, adieu le boss. Donc, bah, ça avance, c'est bien démerdé quand même. Tout à fait. Donc, comme je vous ai expliqué, ça peut être très rapide. Hein. Il expose son cœur, coup de lance-roquette, c'est fini. Quoi. C'est un peu comme le boss de Salazar dans RE4. Quoi. C'est très rapide à défoncer. Quoi.
Alors, vous pouvez consulter machin, Excella Gione. Ok. Alors, toi, t'as un rang S. Tout à fait. À cause de... Ah oui, les ennemis vaincus. Ouais, c'est vrai que t'en as buté pas mal, des petites tentacules. Bah, grâce à la mitraillette, ouais, j'ai pu me débarrasser des petites merdouilles. Ouais. Nous vous ça, ça m'a coûté cher, pour le coup. Différence quand même assez notable. En espérant que cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, et on se retrouve la prochaine fois, donc pour le dernier chapitre, donc qui sera sûrement assez long, je pense qu'après on fera un petit débriefing comme d'habitude, pour donner un petit peu nos avis, etc. Tout à fait. Et donc voilà, donc on va éviter de trop faire de blabla pour cet épisode. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et on se dit à la prochaine pour la suite. Salut à tous!